Carlos Bianchi nous fait comprendre que le PSG a un effectif pour gagner la Ligue des Champions. On va essayer de rebondir sur ce propos, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Carlos Bianchi nous fait comprendre que le PSG a un effectif taillé pour gagner la Ligue des Champions. Chaque saison, le PSG a toujours eu un effectif taillé pour remporter la LDC. Sauf que, il n'arrive pas. Pour moi, c'est un problème mental. Ce n'est pas un problème d'effectif. Le PSG a un problème mental. Lorsque Barça fait la remontada, le PSG gagne 4 buts à 1 au match aller. 4 buts à 1. Ils n'arrivent pas à garder leur avantage. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas l'effectif? Vous pensez vraiment que c'est parce qu'ils n'avaient pas un bon effectif? C'est un problème mental. Lorsque le PSG se fait renverser par le Real de Madrid, la saison s'est passée ou passée, je m'en souviens plus trop. Est-ce que c'est un problème d'effectif? C'est un problème mental. Lorsque le PSG se fait remonter face à Manchester United en 2019, c'est un problème mental. Donc je trouve que le PSG, les amis, c'est un problème mental, ce n'est pas un problème d'effectif. Le PSG a toujours l'effectif pour remporter la Ligue des Champions. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre révision, les amis. Ciao, ciao.